Coucou et bienvenue sur le Sunday Scope. Voilà, ce soir je vais décorer, acheter un petit cadre comme ceci, il y a quelque temps chez Action. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et j'aurais voulu l'offrir. Voilà. Donc je vais faire cette petite décoration avec vous. Parce que ça me plaît de le faire avec vous et que. Pour la personne qui l'aura, c'est une personne, c'est pour ma mamie, voilà, et je vais lui offrir, voilà. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de joli avec ce petit cadre. Et pour ceci, j'ai Daniel. Vous savez que récemment, Daniel avait montré les petits fleurs, etc. Et on a fait un petit échange. Voilà, elle m'a envoyé des petites fleurs comme ceci. Oups, celle-ci. Voilà, donc je vais les utiliser parce que ma mamie adore les petites violettes, les petites fleurs qui sont violettes. Voilà. Donc, je vais séparer les petites fleurs. Donc, on va commencer ma base comme ceci. Là, on va enlever, j'ai enlevé le tour qu'il y a dessus. Donc, il y a un petit. Voilà. Voilà, il y a un petit truc de vert là. Il faut l'enlever pour pouvoir choper les petites fleurs. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais mettre des petites fleurs blanches, bleues, enfin violettes. Et je mettrai une toute petite touche, peut-être de rose avec, ou je vais mettre du rose à la place des blanches. Je vais voir au fur et à mesure que je vais le monter. En premier, donc comme mon cadre il est comme ceci, il va se présenter comme ça. Donc ici, je vais venir lui mettre. Déjà là, au milieu, autour, dans le creux, je vais lui mettre un petit collier de perles. Elle adore les perles. Donc, je vais lui mettre des petites perles. Des petites perles comme ceci, j'avais eu Action. Voilà. Donc, je vais prendre celle-ci. Attendez, j'en ai des plus petites qui viennent de chez Action. Hop, ce sera plus facile à les travailler. Voilà, mais encore, j'ai encore des plus petites que j'ai là. Je vais regarder. Non, c'est les autres qui iront le mieux. Donc déjà au milieu, là, je vais lui mettre dans le creux un petit collier de perles. Donc pour ceci, je vais prendre mon pistolet à colle et je vais commencer avec ma colle chaude. Hop, c'est parti. Donc je vais faire un petit trait ici. Je vais démarrer des petits points de colle légers. Voilà. Je viens commencer à mettre. Oh, attention, voilà Chanel. Et Chanel arrive au mauvais moment. Et oui, Chanel, des fois, elle arrive au mauvais moment. Mais Chanel, elle a plus de place. Donc, il faut que j'y fasse de la place. Viens, ma nénette. Oh, pleure pas, ma petite chérie. C'est une chouilleuse en ce moment. C'est une vraie chouilleuse. Elle ne fait que de pleurer. Parce qu'elle me réclame tout le temps. Voilà. Donc voilà. Et j'ai commencé comme ça. Donc et bien vous faites. Je vais faire tout le tour avec. Donc je vais en couper un bout. Ça ne sert à rien que j'ai. Ça va m'embêter plus de choses qu'autre chose. Hop.
je continue à positionner mes petites perles. Donc en fait, vous mettez des points de colle. Vous voyez, c'est les petites points de colle que je mets. Coller mes petites perles autour. Voilà. Alors, je continue à coller mes petites perles et je reviens tout de suite vers vous. Voilà, j'ai terminé. Du coup, j'ai fait tout le tour, vous voyez. J'ai mis tout le tour. Vous avez vu? J'ai mis tout le tour. Un petit collier de perles. Ensuite, je vais prendre deux petites feuilles comme ceci. Petites feuilles qui viennent du petit magasin des bleuets. Je vais venir les positionner. Une comme ceci et une comme cela. Et je vais voir. Que ce soit bien au milieu. Voilà, je vais venir mettre ça comme ça. Je viens mettre de la colle ici. Et de la colle ici. Hop. Je mets, je positionne deux petites feuilles. Comme ceci, de chaque côté, comme ça je laisse apparaître la petite perle au milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais commencer à découper mes petites fleurs. Donc, on a la petite pince, comme ceci. Les petites fleurs violettes aussi, comme ceci. Elle adore le violet, donc je voulais lui faire plaisir, mettre le violet et puis le rose, comme ça elle adore. Voilà, et je vais peut-être même mettre ce petit bouquet juste ici. C'est super joli. Ouais, je vais venir le mettre là. Donc hop, je vais couper un bout. Et elles sont comme ça, petites fleurs. Hop, je vais venir mettre ça ici. De la colle. Hop là, je positionne comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais mettre une petite rose de chaque côté. De la colle chaude. Comme ceci. Pareil sur celle-là. Et voilà. Après, je vais mettre une petite fleur comme ceci. Et puis je lui mets une petite brindille comme ceci. Hop. Que je vais faire passer en dessous ma rose en fait.
Voilà. Voyez? Ces petites bralies comme ça que Daniel m'a offert, m'a mis dans le petit colis en même temps. Moi j'ai envie de les mettre comme ça. Donc voilà. Venir mettre celle-ci ici. Comme ceci. Voilà. Je vais venir mettre une fleur comme ceci, juste là. Hop, je coupe la tige. Je la récupère. Et je vais venir la mettre ici. Oula. Ouais, ça ferait très joli là. Je vais venir la mettre là. Hop, un petit brin de colle. Je colle. Voyez, comme ceci. Et je vais mettre la même de l'autre côté. Hop, je coupe et je vais venir coller l'autre pareil. Voilà, et je colle là. Voilà. Là, je vais en remettre une là. Je voudrais cacher mon petit bout qui est là. Ou je viendrai mettre un petit nœud. Oui, je viendrai mettre un petit nœud. Donc, entre temps, là, ici, j'ai pris un petit papillon. Je vais mettre un petit brin de colle. Et sur mon papillon, je voudrais lui mettre des petites perles. Et que ça fasse ça. Alors, hop, je mets de la colle sur mon petit papillon. Comme ceci. Et je viens mettre une petite perle. Voilà. Vous voyez? Ça donne ça. Voilà. Donc ensuite, je vais venir prendre un petit nœud dans ma petite boîte. Voilà, je vais mettre un petit nœud comme ça qu'une abonnée m'a gentiment offert. Vous avez vu? Regardez. C'est joli, hein? Oui. Ah, peut-être celui-là. Ah, il est mauve. Ah, attendez. Oui, je vais mettre celui qui est mauve. Voilà, un petit abonné qui m'a offert celui-ci. Je vais lui mettre celui-là. Il est mauve. Voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre... Je vais prendre des petits trucs comme ça, petits papillons comme ça, avec des petits machins comme ça. Voilà. Donc j'y suis. Je sais pas si je les utiliserai, mais on verra bien. Et puis, donc je retourne ma boîte. Je vais reprendre cette fleur là. Fleur comme ça pour monter et je cherchais un petit cœur. Alors ils ont un petit cœur, hein, le blanc. Voilà, chercher un petit cœur comme ça ou un petit papillon comme ça. Je vais voir, je vais prendre un de chaque. Et voilà.
Voilà. Donc j'ai repris ceci avec ceci. Il faut que je regarde si. Eh ben voilà, ça ira très bien comme ça. Donc vous voyez, mon papillon là que j'ai mis ma petite perle. Ici, je vais mettre rajouter celui-ci. Et je reviens, je le colle et je vous dis à tout de suite pour la suite du petit cadre. Bisous, bisous!